Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un pari, votre rubrique Turfaire. Ce mercredi 23 mars, direction l'hippodrome de Lisieux, en réunion 1 avec les trotteurs. L'épreuve d'ouverture sera support de Quinté Plus. Moi, je me suis intéressé à la cinquième course du programme, une compétition réservée à des juments de 5 ans, des juments d'un bon niveau. Elles seront 12 à s'élancer sur 2675 mètres. Départ donné à l'aide de l'autostart est prévu aux alentours de 16h15. Dans cette épreuve, j'ai retenu pour vous tout d'abord le numéro 3. Il s'agit de Open Glory. Cette concurrente entraînée par Julien Raffestin vient de bien courir du côté de Caen. Elle a eu une petite absence. Elle a fini 7e pour sa rentrée et la dernière fois Caen 4e en étant déférée des antérieurs. C'était vraiment pas mal. Là, elle sera déférée des 4 pieds. L'engagement est vraiment intéressant. Elle a numéro 3 derrière l'autostart en première ligne. Bref, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que son entraîneur effectue le déplacement avec des ambitions. Ensuite, je retiendrai pour vous le numéro 4, il s'agit de Ashley Berry. Ashley Berry reste sur deux bonnes places. C'était des courses derrière l'autostart, elle était en deuxième ligne. Cette fois-ci, elle est en première ligne avec le numéro 4. Elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds, elle est confiée à Benjamin Rochard. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, elle aussi, je la pense capable de terminer dans les 3 premières. Et enfin, j'ai retenu le numéro 5, il s'agit de Heidi Dubizet. Heidi Dubizet qui est irréprochable ces dernières semaines. Elle est plaquée des antérieurs comme à son habitude. Elle est confiée à un homme qui la connaît bien, qui vient de gagner avec elle en devançant certaines de ses rivales du jour. Bref, beaucoup d'atouts dans son jeu, d'autant qu'elle a également un bon numéro avec le 5 derrière la voiture. Donc le 3, le 4 et le 5 dans la cinquième course du programme auront ma préférence ce mercredi. Comment les jouer? J'ai longtemps hésité entre le 2 sur 4 et le couplet. Et finalement, je me dis qu'avec la présence d'Éric Raffin et de Alexandre Abrivard dans la course, qui vont sans doute prendre un peu d'argent, c'est peut-être plus intéressant de les jouer en couplet. Donc voilà, je vous conseille de jouer le 3, le 4 et le 5 en couplet gagnant placé dans la cinquième course du programme en réunion 1 à Lisieux. Voilà, cela coûte 6 euros. Vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de Un jour à Paris. Bye bye!